Bonjour à tous, c'est de nouveau Yung Yung Créa. Bon là ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là je reviens vers vous pour un petit tuto. Donc c'était pas trop prévu. J'étais chez ma maman et ma soeur est venue nous voir et du coup elle dit est-ce que tu veux que je t'emmène à Action? Donc je dis bah oui pourquoi pas. Puis on avait des petites courses à faire pour maman. Donc en fait on a été aux Actions de Saint-Géréon du côté d'Ancenis, en Loire-Atlantique. Donc je vais vous montrer un petit peu mes petites trouvailles. Donc j'ai pris donc les petites fleurs comme ça là, les petits stickers fleurs. Voilà, donc ça fait un peu de reflet, je suis désolée. Bon après vous les connaissez, hein. Donc j'ai pris dans les marrons, enfin les marrons, les plutôt couleur automne. Je me dis pour les créas automnales ça peut être pas mal. J'ai pris les petites vertes, voilà, et j'aimais beaucoup celle-ci, argentée. Alors, il y a des fleurs, des petits cœurs et puis des petites demi-perles. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai repris un paquet de tissus. Alors, c'est surtout pour le marron, parce que je voulais essayer de me faire, même les noirs, ça peut être sympa, me faire des fleurs, là, comme je suis en train de faire des fleurs en tissu, je vous avais montré déjà. Et je me dis, pour faire des marrons, pour faire des fleurs vintage. Et même celle-là, ça peut être sympa. Voilà. Après, c'est très savane. Mais comme j'ai en plus un. Ça peut me faire faire. J'ai un échange sur la savane à faire par les animaux sauvages. Donc là, qui n'est pas scrap pour laver les mains. Donc j'ai repris ça. Les petits crayons. Donc j'ai pris. Je vais vous les montrer après. Donc c'est les petits Shine Ink. Donc black and white, donc on peut écrire sur le aussi bien sur le blanc que sur le noir. Donc je vais vous faire un essai sur le noir. Donc je vais faire ça après. Donc j'ai aussi trouvé la petite Macmonde. Je la voulais depuis longtemps. Ma cousine l'avait. Et puis à chaque fois j'allais, oh, je la voyais pas. Puis là, hop, ma fille l'a vue. Donc du coup j'étais contente. J'ai ma petite Macmonde, trop mignonne. Donc voilà. Voilà. Donc après, j'ai pris, vous savez, les bobines là. Alors ça, c'est au rayon fleurs. Les bobines de toile de jute. Donc là, c'est un peu rosé. Rosé clair. Un rosé un peu plus foncé. Et un espèce de crème. Crème rosée aussi. Donc ça, pour le tout ce qui est vintage, c'est bien. Et j'ai vu une youtubeuse. Ah, comment elle s'appelle? Qui avait recouvert ses junks, qui faisait ses, comment la reliure au niveau de ses junk journal, qui en mettait pour faire ses junk journal. Donc je me dis c'est bien. Donc là, j'ai essayé de retrouver parce que j'avais pas trouvé cela. Donc je vais compléter. Donc là, je pense que j'ai la collection complète. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-ci. Donc là, avec les petites notes de musique, j'aimais bien les petites notes de musique. Le faux masking tape. Donc vous voyez, j'ai fait même une petite découpe là. Et puis la petite maison avec le petit cœur. Voilà. Ouais, ça brille. Hein. Voilà. Vous voyez bien. Et puis je remonte celui-là. Voilà. Celui-là, j'aime bien avec les fleurs, les feuillages, il est sympa. Puis l'étiquette. Donc ça continue ma collection. Là, donc ça, je l'ai pris, je l'ai déjà, mais je l'ai pris bah, justement pour rajouter pour le concours. Pour mon concours au mois de septembre, donc il y aura ça en plus dans le lot. Donc je vous montrerai tout le lot entier pour une prochaine vidéo début, enfin, je ferai ça début septembre. Hein. Je vais le mettre en route au mois de septembre, mon concours. Voilà. Alors, comme je vous disais, j'avais un échange pour animaux sauvages, donc j'avais pas grand-chose. Et puis là, bah, j'ai trouvé un lot de stickers au rayon enfant. Donc, assez sympa. Donc, je vais pouvoir faire des petites choses, des petits ATC. Je vais voir comment je vais me débrouiller avec ça. Donc, oh, ça, c'était pas très cher. J'ai plus le ticket de caisse, hein, je ne peux pas vous dire. Ouais, vous voyez, il y a même un gros tigre. Celle-là est super jolie. Avec le gros tigre, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, ça je ne l'avais pas pris encore, c'est le Journaling Design Pad. Donc j'aime beaucoup celui-là.
Donc les papiers sont super jolis. Donc là, il y a tout ce qui est étiquette. Donc deux pages pareilles. Voilà. Je vais m'asseoir, ça payera pas de mine. Voilà, je sais pas si la luminosité est terrible. J'aurais peut-être dû mettre un peu mes volets. Attendez, je vais mettre un peu mes volets. Laisser un peu le store si je peux, parce que quand je mets mon là, je viens devant. Là, comme ça. Voilà, je pense que ça sera peut-être. Ouais, ça sera mieux quand même. Donc, comme je disais, j'ai pris celui-là. Donc là, les étiquettes. Donc, voilà. Donc toujours deux pareilles. Ouh, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'étiquette. Voilà. Ouais, il est très joli celui-là. Donc voilà. Là. Et là, c'est les papiers. Donc là, un peu vintage, hein. Donc pareil, toujours deux. Voilà. Celui-là est très joli aussi. Donc ça fait paysage. Donc je sais pas trop comment. Ah, ça me fait mal au bras. Voilà. Donc là, il y a papillon. Ah oui, puis derrière, il y a des pages aussi. Bon, après, je pense que vous les avez dû les voir, hein. Est-ce que si je vous montre comme ça, vous allez mieux voir? Vous allez bien voir. Papillon. Donc là, après, c'est noir et blanc. Et là, ils sont en fond l'inverse. Voilà. Et violette. Et puis là, vous voyez, c'est en noir et blanc. Voilà. Là, un beau paysage des arbres. Et là, fond rose. Là, du vintage. Vichy, c'est blanc, enfin, c'est marron. Là, on voit pas trop. Crème à pois. Je sais pas si vous voyez. On voit pas. Des fleurs. Encore des fleurs. Et puis là, on revient à des étiquettes. Des cartes. Voilà, des cartes pour écrire. Et voilà. Donc ça, j'étais contente. Après, stickers. Donc j'ai pris pour mon fils qui est fan des arrangeurs là. Donc, pareil au rayon enfant. Donc, des stickers arrangeurs. Ma fille a pris ces stickers là sur la mer. Donc au rayon, bah ça au rayon scrap. C'est pas au rayon enfant cela. Et elle a pris celui-là et elle n'avait pas vu, elle a pris en double. Donc j'en gardais un. Voilà, donc assez mignon. Voilà, avec les petits oiseaux. C'est vrai qu'il est sympa. Voilà, donc il y en a un pour ma fille et un pour moi. Donc au niveau du bloc. Donc moi j'ai choisi celui-là. Le botanique flora. Floral. Donc il est très joli hein, dans les tons roses. Et j'étais contente parce que là il y a du blanc. Parce que j'en ai plus des blocs avec des faces blanches derrière. Et des fois je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Et là il y a des feuilles avec du foil et sans foil. Bon, je suis pas très fan du foil, mais tant pis. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris, mais je trouvais les images pas mal. Bon, après, je crois que vous connaissez, hein, parce que ça me fait mal au bras en plus. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est marrant, je suis pas très vert, mais dans le papier, j'aime beaucoup les papiers en peu vert. Donc, bon, j'ai pris celui-là. Et ma fille a choisi celui-ci. Le Colorine Feuille Marble. Bon, moi, j'aime pas du tout, en fait. Mais voilà. Bon, après, il y a quelques papiers qui sont pas mal, mais bon, c'est pas mon truc. Donc, ça, c'est pour ma fille. Alors, voilà pour ce qui est d'action. Après, ce matin, comme mon fils est son anniversaire dimanche, donc on a été lui acheter ses cadeaux et bah, j'ai dit, tiens, j'avais envie, même avant les vacances, je voulais me prendre des comment? Ah, des magazines sur le scrap. Donc j'ai trouvé ceux-là sur le vintage. Alors, et il y a justement, il y a, donc celui-là, il y a pas mal de choses dedans. Il y a du papier, il y a des étiquettes et puis il y a des modèles de scrap à faire, enfin de cartes. Là, il y a, c'est ce qui est sympa, c'est qu'il y a des sketchs pour savoir comment refaire des cartes.
des cartes ou des pages photos. Donc voilà. Donc j'ai pris, et dans celui-là, le vintage 18 tutos style héritage, numéro 3 trimestriel. Et il y a une page où c'est Miss Miu Miu, la scrappeuse qui fait un tuto pour une de ses cartes. Alors attendez que je retrouve, j'ai trouvé ça. C'est celui-là. Voilà, vous voyez. YouTube Miss Miu Miu par Ludivine alias Miss Miu Miu. Sa carte en forme de pyramide là. Je crois que j'avais vu le tuto. Et là, c'est au niveau du magazine. Voilà. Donc après, il y a pas mal de choses. Donc après, moi, je m'inspire pas mal. J'avais envie, en fait, d'avoir un petit magazine. Donc voilà. Et autrement, je vais peut-être vous montrer les petites créas que j'ai faites quand j'étais en vacances chez ma maman. Donc on est rentré hier. On n'a pas eu très beau, donc on n'a pas trop profité du jardin. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon, une partie, hein. Donc j'ai fait des petites ATC. Voilà. Avec le petit. Donc ça, c'est le tampon Alcréate. Et j'ai fait des fonds. Ça, c'était mes fonds que j'avais fait ici à la gel presse. Voilà. Et j'ai fait aussi, parce que j'ai un échange spécial Harry Potter. Donc j'ai fait. Bon, après, j'ai affignolé. Là, je voudrais arrondir les angles. Et puis peut-être coller autre chose, voir. Donc là, c'est Harry Potter. Là, c'est la petite voiture. Et puis autrement, bah, j'ai fait des fonds. Alors, je vais vous montrer les fonds que j'ai fait chez maman. Et puis j'ai préparé en. Déjà en ATC, certains, parce que j'ai, comme j'ai des échanges à faire, vous voyez, j'ai fait des fonds à l'encre, les encres de chez Action, avec un pochoir, les pochoirs de chez Action d'ailleurs aussi. Donc là, j'ai fait dans les tons verts, dans les tons rouge-orangé, et puis jaune, là, et là, avec des petits pois. Donc je me suis amusée à faire ça. Donc voilà pour mes petites créations. Moi, du coup, je m'étais fait un gabarit. J'avais pas mon massicot. Je m'étais fait un gabarit pour pouvoir faire mes découpes d'ATC. Du coup, c'est pas mal. Avec le carton. Donc là, j'ai décliné en carte parce que j'aurai une carte aussi à faire. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. Une carte sur le thème. Alors, ça, c'est pour l'Afrique, justement, le thème Afrique. Et puis ça, plus pour. Je crois que j'ai Halloween à faire. Oui, c'est pour le thème Halloween. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai fait en scrap. J'ai beaucoup fait de. Je me suis remis au diamond painting. Donc j'ai fait pas mal de diamond painting. Donc voilà. Donc bah, je vous dis pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit haul vous aura plu, vous donnera des petites idées. Ah, les petits crayons. C'est vrai. J'avais dit que je vous montrerai. Bah, c'est surtout le blanc. Moi, j'étais contente parce que j'ai pris le blanc. Alors, j'ai pris que ces couleurs-là. Parce que je voulais essayer. Puis je me dis, j'ai plein de crayons. Et bah, je vais vous montrer. Il écrit très fin. Vous voyez sur le noir. Bon, j'écris bonjour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et sur le noir, il écrit vraiment très bien. On va essayer. Un des roses. J'ai essayé sur du blanc. Ouais, même le rose, c'est super joli. Je vais vous essayer toutes les couleurs. Donc c'est un peu feutre, hein. Voilà. Toute façon, je vais les mettre dans une trousse après. Moi, je suis très contente pour le blanc, mais je crois que j'avais déjà. Mais moi, j'en ai des crayons blancs, mais je me dis, il est très fin, ils sont très bien. J'ai mis des crayons. Voilà. Vous voyez? Donc voilà. Bon, les petits crayons, donc sur du noir, ils sont franchement, ça rend super bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est les Shark Ink Invisible.
plus visible, donc sur le blanc comme sur le noir. Voilà. Donc, ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un tuto. Donc, soit je la fais cet après-midi ou je fais autre chose. Je vais peut-être faire au sauge, puis je vous fais ça peut-être lundi. Je verrai. Ou si j'ai du temps demain, peut-être. Donc, je vous dis à la prochaine. Donc, sûrement le prochain, ben, c'est un tuto. Et puis, ouais, à la prochaine vidéo, j'essaierai ouais, de faire quand même pas mal de petits tutos. Donc, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et j'espère que ce petit haul, cette petite vidéo vous aura plu. Au revoir!